Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aime bien encore des aides. On va décortiquer encore les programmes. Aujourd'hui, on a une fille. Elle m'a envoyé un message parce que je fais beaucoup de choses pour les mecs. Aujourd'hui, on va aider une fille. Donc, à toutes les filles, dirahom, il te profite, j'aime encore des aides. N'hésitez pas à m'envoyer des questions parce que je vous réponds aussi. Ça prendra du temps, mais j'aimerais bien vous répondre. Donc, n'hésitez pas, yata comme ça. Donc, son email, c'était « Bonjour, Jamo, je suis parmi les fans de tes vidéos conseil régime. Donc, mon grand problème, c'est mon fessier, le popotin. Depuis le mois de mai passé, je fais de la musculation. C'est un programme sérieux avec un coach. Avec une bonne alimentation, 4 à 5 fois par semaine, 3 fois musculation, 2 fois fitness pour le remplir. Et le galbé. Donc, je manque de volume, un peu plate. Depuis 3 mois, je prends de la whey protéine isolate. Résultat pas très satisfait. J'ai l'impression que mon fessier répond, mais lentement. Alors que je travaille très dur, est-ce que c'est normal que ça prend tout ce temps où je dois corriger quelque chose? Yaoudi, gâte, habbo! Le popotin, le fessier. Rjel, il habbo les bras. Wensa, le popotin. Donc, j'ai pris sa routine et je vais la décortiquer pour toutes les filles et pour le coach Taha pour l'aider à achever son but. Voici sa routine. On va d'abord, elle m'a envoyé sa diète. Je vais passer par la diète ou mal avec le programme Taha. Donc, diète, gâte le petit le matin, une dose de protéines à jeun. 15 à 20 grammes de flocons d'avoine avec des fruits secs, yaourt nature. Ça, c'est le matin. Après ça, tout dépend. Séance, sport, une heure avant, elle prend des pâtes, sinon du riz et du thon blanc. Œuf, après séance, elle prend de la whey. Ça, c'est après la séance. De la whey, rajoute yaourt et une pomme. Après ça, elle prend une escalope. Une escalope de poulet, soupe de légumes, salade, dose de protéines avant de se coucher et après elle prend du CLA, conjugated linoleic acid. I don't know, je ne sais pas comment on le dit en français. Je ne sais pas, mais avec le temps je vais l'apprendre. Donc CLA, CLA. Son programme, échauffement lombaire, 4 séries de quadriceps alternés avec du squat, rajoutant le poids doucement, doucement en pyramide. Et après, elle fait soulever de terre alterné avec des ischios arrière, 4 séries de 15 à 8 répétitions. On balde en montant avec le poids, troisième en presse, cuisse, jambes fermées, talon fessier en quatrième, 4 séries, 10 répétitions fessiers, 10 répétitions tendues. Yeah, là, là. J'ai, premièrement, la première des choses, donc si tu veux prendre du poids dans ton fessier, le popotin, elle popotine, la première des choses, c'est que j'ai calculé tes calories, ou en plus, donc, j'étais vraiment, je t'ai encore rajouté pour ne pas vraiment manquer quelque chose. Tu as 1529 calories par jour. Tu ne vas jamais prendre du fessier avec 1529 calories. La première des choses à corriger, tes calories, au moins 2200 calories, tu rajoutes 500 calories, doucement, doucement tu rajoutes, 2200, 2300 calories par jour. Je sais ce que tu es en train de penser, oh, bissef le mec là, alors qu'il t'entraîne, ou dur, d'une bonne source de calories, t'as pas peur, tu vas prendre du fessier. Donc ton entraîneur, ton coach, tu lui dis de corriger ça, la première des choses. Je vais t'aider, Naya, ou il va voir ça. Donc, au moins 2200 calories, tu commences, ça va te donner encore plus de calories pour récupérer, la première des choses. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, Naya, 20 grammes. 20 grammes de flocons d'avoine le matin, mais tiens, ça ne va pas, non? 20 grammes d'avoine, 14 calories. 14 calories. Il y a un peu plus de riz, mais je te bougis, c'est que tu as l'air. Le deuxième repas, donc, Naya. Donc, une dose de protéines à jeun, bon début, 20, 20, 15 à 20 grammes, au moins à 60 grammes de flocons d'avoine le matin. Des fruits secs, yaourt naturel, ça c'est bon. On va dire que tout dépend. Tout dépend. Si tu veux avoir des résultats, tout dépend de la séance.
لازم دو جور شاك جور تو في لا ميم شوز تو بو با سي تو ان بريز دو ماس سبيسيالمون بور تون ديريير تو بو با فير لي شوز ديفيرونت لو جور تو تونترين با سي باسكو لو ريزولتا سي سور اون بيريود تاع موان 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 2 mois, 3 mois. Si tu l'as dit toi-même sur ton email, ça fait 3 mois que je bosse. Donc tu ne peux pas changer les trucs. Il faut être consistant, tout, constant, tout le temps, la même chose. Chaque jour, tu manges la même chose. Et là, tu vas récupérer. Parce que la récupération, c'est en dehors de la gym. Ce n'est pas que je fais ça, tantôt, sans pitié, vous ne récupérez pas. Donc là, tout dépenser, voilà, des pâtes, sinon riz, du thon blanc, c'est bon, ça c'est bon. Après séance, tu prends de la whey. Wallaham les hydrates de carbone tawak. Le scénario parfait après l'entraînement. Whey, isolate, jus d'orange et une pomme. El yaourt, gurnhe. Tu récupéreras rapidement. Ou bien dès que lorsque tu pars au quatrième repas, c'est là où tu commences à manger. Parce que là, il n'y a pas d'hydrates de carbone. Gars, il n'y a rien. Tu as des légumes et une salade. Tu veux prendre du muscle avec des légumes de la salade le soir. Les gens qui veulent perdre de la graisse, ils peuvent faire ça. Toi, tu peux pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Escalope, tu prends du riz brun ou des pâtes, patates douces. Tu le rajoutes ici. De la salade, ça c'est bon. Tu peux garder la soupe, mais tu rajoutes des hydrates de carbone, des glucides lents, comme j'ai dit, du riz brun, des pâtes, des patates, super bien dans ton quatrième repas. Le cinquième repas, tu as dit. Une dose de protéines, ça c'est bon. Mais tu prends de la caséine. Ou tu peux prendre, pour vraiment, vraiment ne pas dépenser beaucoup d'argent, tu prends la dose de la protéine d'Arachadic, isolate, dans du lait. Ça c'est ton cinquième repas. Donc, Hinaya, tu me dis, je prends 3 gélules de CLA. Je ne comprends pas pourquoi tu es en train de prendre du CLA, du CLA. Pourquoi? Parce que tu crois que si tu prends du CLA, ça va te faire grossir le derrière. C'est quoi ton but ici? Si tu veux améliorer une partie du corps, il faut bien la travailler et bien récupérer. Donc, la leçon, Hinaya, augmenter tes calories. Femti. Et de là, tu commences tes entraînements. Dans tes entraînements, j'ai regardé tout ça. Moi, quelqu'un qui veut vraiment, vraiment améliorer une partie, tu as le corps, comme le derrière, tu fais des supersets, c'est bon. Mais si tu veux vraiment, vraiment améliorer ton derrière, le popotin, tu le fais 2 fois par semaine. Tu le fais avec les jambes. Ou dirais, ouais, deux. Femme, c'est comme ça qu'on améliore. Et tu manges bien. Tu peux pas vivre en 1529 calories par jour. Ou hadin, je t'ai rajouté des calories. Le carreau, vraiment, vraiment, je suis venu à la kitakli. Ou à la kitakli, je suis venu à la. Donc, si tu veux avoir un derrière, tu rajoutes des calories et tu isoles ton derrière en faisant une autre séance. La semaine, tu dis ton coach de faire une séance spécialement pour le derrière en prenant des exercices manjem corps, boum, au lieu que le lien. Quand il dit les exercices, tu vas avoir un super derrière en prenant du repos entre chaque série. Faut pas toujours faire des super sets. Je vais t'envoyer des photos d'une fille avec qui j'ai travaillé. Je veux pas les mettre ici parce que Google Fit, no, la transformation en 12 semaines en suivant le programme Hada que je t'ai donné. Femti, Hada Makar. Une autre chose, échauffement, lombaire. Ça c'est bon parce que tu es en train de protéger le bas du dos pour le squat. Gars, mais si tu veux vraiment faire un super échauffement, go le coach, tac, quel jamo, yaho, te balia Hadaya. Oulah, tu vas bien la préparer pour ses entraînements. Même t'essayer. Super bien pour l'assouplissement. Préparation pour l'entraînement. Le gilb, habbek, kimachouk, ou le babak. 48 ans, je vais faire 21 ans. Je vais faire le babak. Voilà, le gilb, salam alaikum.